juste au bord de la route. Hey, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre page Facebook à tout commerce. Comme d'habitude, eh bien, on se promène de ville en village. Aujourd'hui, nous sommes à Vindry. Et à Vindry, on avait envie de vous faire découvrir nos adhérentes. Alors, c'est deux demoiselles super sympas, super souriantes, qui ont créé un atelier créatif qui s'appelle Effervescence. Peut-être que vous en avez écouté parler. Donc aujourd'hui, on va aller à leur rencontre. Bien évidemment, avant d'attaquer ce live, n'oubliez pas d'appuyer là tout en bas sur le petit bouton partager. N'hésitez pas à leur faire des petits coucou, à liker, à faire des pouces, des cœurs, enfin tout ce que vous voulez. Juste avant, j'ai un petit truc à vous dire. C'est un petit peu en avance, mais comme ça va attaquer demain, c'est hyper important. Alors je voulais m'adresser aux associations du territoire. Atout Commerce va vous faire gagner 200 euros en carte cadeau. Alors à partir de demain, il y aura un jeu. On va laisser la voiture passer. Il y aura un jeu à partir de demain sur notre page Facebook pour les associations. C'est simple, hein. Il vous faudra mettre une petite photo sympa de votre adhérent en commentaire, tout ça. Enfin, vous verrez, il y aura 200 euros à la clé. N'oubliez pas. Allez, je vous invite, on y va. On va rentrer dans cette boutique Effervescence, parenthèse créative à Vindry. On est ensemble pour 30 minutes en direct sur notre page. On y va ensemble. Mesdames, mesdemoiselles, comment je dis? Mesdames et messieurs. Bon, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour ce petit live en direct sur notre page Facebook. Alors, par qui je commence? On fait les présentations. Allez. Marina, Audrey, qui d'ailleurs? Qui est qui? Qui est qui? Alors, qui est Marina? Oui. Bravo. Audrey. Voilà. Voilà. Alors, dites-nous un peu les filles, depuis quand vous êtes là et surtout d'où vous est venue cette idée de créer ici à Vindry un atelier? Parce que je pense que c'est, enfin, on sait que c'est un truc un petit peu fou qui est arrivé. Voilà, vous êtes amis dans la vie, c'est ça. Donc on a créé il y a un an, on a ouvert il y a un an, mais l'idée elle a d'abord pris naissance dans notre petite tête presque 2 ans avant. Et voilà, on était amis dans la vie, on avait des passions communes sur l'art créatif, développer la créativité. C'est quelque chose qui nous a sauvés dans des moments compliqués de nos vies, et on s'est reconnus dans l'envie de transmettre et l'envie aussi de continuer d'apprendre et de continuer de faire. Donc partant de ce postulat-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nous continuer de nous nourrir et apporter ça aux autres aussi. Donc du coup voilà, on a réfléchi longuement, on a posé les choses et on s'est installé à Vindry-sur-Turdine parce qu'on n'habite pas très loin, on est des gens, voilà, on est du secteur et on avait vu sur cette ancienne pharmacie qui manquait de vie et voilà, on s'est dit on va aller prendre soin des gens aussi mais différemment. Ah ouais, là, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec une pharmacie. Hein. Non. Alors du coup, c'est une reconversion professionnelle pour vous deux, c'est ça? Ouais, une partie pour moi. En fait, moi, j'ai eu un cursus d'art appliqué pendant 6 années. J'ai travaillé en tant qu'assistante de collection. Enfin, j'ai fait des choses au niveau création. Et après, j'ai basculé sur une carrière sanitaire, sociale, éducative. Je suis revenue en arrière. Toujours dans l'humain, proche des gens. Il y a toujours un peu ce truc-là, ouais. Et moi, c'est complètement une reconversion. Vraiment. D'accord. Je viens du secteur bancaire. Rien à voir. Il y a temps pour tout. C'est le début de ma vie professionnelle. Et après, j'ai voulu me raccorder vraiment à mes valeurs. Et c'est pour ça que... Et donc, du coup, cette partie créative, c'était un hobby? C'était, voilà, une passion, exactement, qui est née au fil des années. Et voilà, moi, je suis complètement autodidacte sur mon domaine. Mais justement, ça prouve bien qu'en étant, on peut tout à fait apprendre par soi-même, en étant aidé par son entourage ou par quelques tutos, etc., on peut arriver à développer tout ça, et c'est ce que j'ai fait toute seule. Par contre, c'était la grande difficulté, c'était d'être seule face à
à toutes ces informations qu'on peut trouver sur le net. Et du coup, l'idée de vraiment transmettre ici et de remplacer le tuto par l'humain, c'était vraiment une volonté de notre part. Voilà. Bon, alors, vous qui nous regardez, hein, on commence ce petit live en direct depuis Effervescence parenthèse créative à Bindry. Allez-y, hein, likez, mettez des petits commentaires, faites-leur juste un petit coucou, vous lui dites ça va les filles, ça fait toujours plaisir. Justement, je reviens un petit peu à ce que vous expliquiez. Vous avez chacune, je crois, votre univers et votre spécialité, c'est ça? C'est ça. Alors, je ne sais pas, il y en a laquelle vous commencez à expliquer un petit peu. Moi, je suis plutôt à plat. À plat. Plutôt en 2D. On appelle ça. Je suis plutôt technique picturale, dessin, peinture, toute forme de peinture, toute technique. Donc aquarelle, acrylique, peinture à l'huile, pastel, gras, sec, crayon, graphite, fusain, patate, patata. Voilà, je couds un peu, mais c'est pas mon domaine. C'est pas je sais faire des trucs, je développe des fois des idées. Plein d'idées, beaucoup qui se bougent dans ma tête. Et que du coup, je bascule chez Marina et lui dis tiens, exactement. Chef de projet de ma tête, fais un truc. Et voilà. Oui. Donc toi, tu es axé plus sur la couture? Alors, on va dire l'art du fil. L'art du fil, ça regroupe plein de choses. Ça regroupe la couture, effectivement, c'est un gros domaine où j'adore m'éclater sur ce sujet-là. Mais c'est aussi le crochet, le macramé, la broderie, le punch needle. Voilà, il y a plein de techniques différentes autour du fil. Voilà, il y a des trucs complètement chinois pour moi. Ouais, mais justement, on va les regarder. Hein, on va faire ça. Voilà, on va pouvoir montrer tout ça. Alors, Maud, elle a une petite question. Je vois qu'elle lève le doigt, il y a nos internautes qui réagissent. C'est ça? C'est juste Coco qui vous dit... Hello, Coco. Voilà. Hello, mes belles, je vous regarde sur ma télé. Ah, okay. Oh, bah, super. On passe à la télé, quoi. Ah, vous êtes sur TF1, c'est génial. Bon, alors... Vous allez me guider un peu justement dans cet atelier parce qu'il y a plein de choses à voir, c'est magnifique. Qui fait la visite? Vous faites la visite toutes les deux avec vous? On fait le tour, vous allez nous expliquer ce qu'on y trouve et puis aussi on va vous expliquer comment on vous rejoint, comment on vient participer à ces ateliers créatifs du coup. Oui. Alors, dites-moi un petit peu. La partie boutique déjà, voilà. Qu'on reste sur la partie en fait il y a aussi une partie boutique sur tout l'espace, mais qu'on a volontairement aménagé d'une façon un petit peu plus atypique, et là c'est des créations de créatrices locales. L'idée c'était de leur mettre à disposition par un système de dépôt-vente notre espace pour qu'elles puissent vendre leur création. Voilà. Donc on a de la poterie, ouais. De l'art floral, fleurs séchées qui revient à la mode. Nous, on propose des ateliers de couronne de fleurs séchées. D'accord, des ateliers de couronne de fleurs séchées. Voilà. Alors ça peut être intéressant. Et ben ça, c'est très très plébiscité. Hein. C'est le truc, je crois que les gens aiment beaucoup. Alors tu peux nous en parler, vas-y, montre-nous. Ah bah montre, je peux pas te montrer pour le faire, mais c'est moi qui l'ai faite en atelier avec mes clientes la semaine dernière, samedi, tu vois. Voilà ce qu'on peut réaliser. C'est combien de temps? Deux heures. En 2 heures? Ouais. Vous venez ici, on vient ici, en 2 heures, on est capable de faire une jolie couronne comme ça. Génial. Bah si on met 2h15, on mettra 2h15. Ouais, tant pis. Il y en a qui mettent un peu moins aussi, enfin, ça dépend du rythme de chacun, donc nous on s'adapte. On vous impulse un truc si vraiment... ça bloque et qu'on se sent pas assez créatif, des fois on entend ça. Mais en fait, non, oui. Tout est possible, tout est réalisable. Et nous, on est là justement pour vous impulser un tout petit peu. Et on réalise ce genre de choses. Et puis, c'est un super moment de détente. Et c'est génial parce qu'en fait, on boit le café, on manipule, on fait des choses et en fait, on pose son cerveau. Et on a plein de gens qui nous disent, et ça, c'est juste, c'est le principe même de notre atelier, c'est ça m'a fait du bien, ça m'a posé. Bah ouais. C'est presque médical cette histoire. C'est pour ça que c'était une pharmacie, tu vois. C'est pour ça qu'il y a l'âme de la pharmacie encore ici. On travaille le bien-être par la créativité et sans projeter qu'on va venir se soigner ou quoi que ce soit. C'est juste, je pose mes valises, je pose mon cerveau, je m'installe et pendant 2 heures. Bon, alors je vois plein de choses aussi. Il y a des créations. Ouais. Comme ça, il y a des trousses. Ça, c'est réalisé ici également. Oui. Donc, ça, c'est toutes nos créations textiles. Donc, qu'on propose à la vente et qu'on propose aussi en atelier. Là, les trousses, c'est aussi bien un article qu'on vend. Regardez comme c'est super joli. Oui.
Et aussi bien un atelier pour réaliser en 2 heures, 2 heures et demie, même sans avoir touché une machine à coudre de sa vie, une trousse. D'accord, ok. Par exemple. Voilà. Super. Voilà. J'ai une question d'Amélie qui nous demande combien ça coûte pour l'atelier. L'atelier, alors, de 38 euros l'atelier couronne faire sécher pour 2 heures. Tu vois ? Bah voilà. On était là. Dans la boutique, vous avez tout le temps les petites étiquettes comme ça, un peu partout. Bah là, par exemple, on ne l'a pas mis parce qu'on n'en a pas reprogrammé. C'est un mauvais exemple. Mais c'est pour montrer que c'est un potentiel d'activité qu'on peut réaliser ici un jour. Très bien. Et elle me demande et comment ça marche du coup pour s'inscrire. Alors, bah, c'est une bonne question. En fait, on a un site internet. frv-sens.fr sur lequel vous allez retrouver planning et réservation, et ça va se présenter juste comme ça. Votre planning, il se présente comme ça. Tout ce qui est jaune sont des ateliers ponctuels. Donc là, on a atelier, alors le 22, voilà, atelier couronne de fleurs séchées, le 22 à 16h. Donc c'est un vendredi après-midi. Après, bon, on arrive dans des périodes de fête aussi, il y a Halloween, enfin, il y a plein de choses. Tout ce qui est rose. Dans le planning, ce sont les cours de dessin, peinture et couture de manière régulière qu'on s'inscrit pour l'année. Ok. Donc, comme ça, on différencie bien avec les couleurs. Les mercredis après-midi, les vendredis après-midi, les samedis toute la journée, il y a des ateliers. Et du coup, ça, on peut le retrouver peut-être sur votre site. C'est toujours sur le site, ouais. Et on a juste à cliquer dessus. Et après, on peut faire la réservation directement en ligne. On n'est pas obligé de nous contacter. D'accord, génial. Alors, oui. Juste rappeler du coup le site. Vous pouvez donner le site aux personnes qui souhaitent s'inscrire. Le site, c'est les lettres frv-sens.fr. Bon, de toute façon, on le relèvera. C'est parfait. Il n'y a pas de souci. Alors, on continue comme ça la balade. Tiens, j'avais envie qu'on regarde un petit peu ça, parce que moi, ça m'intrigue. Je peux... Bien sûr. Oui. On m'en voulait pas si... Non. Donc ça, c'est, tu vois, il y a un exemple d'art du fil, c'est du punch needle. Donc le punch needle, c'est une technique de broderie en relief. D'accord. Donc il y a plein de techniques différentes. Là, tu n'en as qu'une. Sur les autres, tu en as plusieurs. Et là, c'est pareil. Un atelier de 2 heures qui coûte 35 euros. Et on découvre complètement la technique et on repart avec, on vient sans rien, et on repart avec sa petite création sur le cadre, prête à afficher sur son mur. Super. Voilà. Alors, moi, je vais poser des questions bêtes, hein, vous ne vous inquiétez pas. Vas-y. Mais du coup, j'ai la sensation que c'est des choses, des techniques qui sont un peu plus anciennes et qu'aujourd'hui, ça revient à la mode. Complètement. C'est un peu ça. Oui. L'art du fil, c'est vraiment quelque chose qui est en train de revenir en avant. Avant, c'était plutôt quelque chose dans la nécessité. On était couturière, on faisait de la couture pour créer ses vêtements. Avant, on faisait de la couture à la main aussi, pareil, pour faire de la retouche. On faisait la broderie aussi pour embellir des choses. Mais c'était moins dans le loisir comme aujourd'hui. Alors que là, ça a vraiment été remis en avant en tant que loisir et simplement en fait pour s'accorder du temps et prendre soin de soi. Parce que en fait, de faire du manuel... Et ben, ça a un effet complètement bien-être sur soi. Et puis il y a l'idée d'avoir un objet final qui est personnalisé en couleur, en motif. On choisit son motif, nous on vous impose, on vous en présente une dizaine et vous choisissez. Enfin, et c'est vous qui l'avez fait, c'est pas quelque chose que vous allez acheter dans le commerce, dans une grande surface de bricolage. Oui, il y a la fierté de revenir avec son objet personnel, puis on y a pris du plaisir. C'est-à-dire que vous avez appris la technique. Normalement, vous êtes censé repartir avec la capacité à recommencer chez vous. Alors, je vois justement, si on peut refaire, je vois aussi que de ce côté, vous avez aussi des produits que vous avez à la vente, du tissu, de la laine, des choses comme ça. C'est ça. Qu'on peut venir chercher ici directement. Voilà. Sachant les produits qu'on utilise, nous, en atelier. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Donc si on veut reproduire ce qu'on a appris, on peut aussi venir vous voir et y acheter ces produits pour refaire ça à la maison. Ça, c'est sympa. Le punch needle qu'on a fait là, on va avoir besoin d'une aiguille spéciale qu'on a là et du fil qu'on a ici. Okay. Voilà, le principe, c'est de pouvoir refaire chez soi. Génial. Voilà. Parfait. Après, on a des petites choses de mercerie, d'appoint, parce que nous, on n'est pas une mercerie... Oui, tout à fait. C'est dur, donc c'est juste voilà, des petits zips si on a besoin, du fil. Un petit peu de dépannage. Un peu de dépannage, des épingles, des ciseaux. Non, mais venez, même vous dépannez, vous venez, vous repassez la porte, vous allez voir, vous allez discuter. Oui. Ça va être carrément bien. Vous allez repartir avec du fil, mais surtout avec plein d'idées. Ouais. Et ça, c'est super intéressant. Allez, on continue.
On se balade. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a un joli îlot central. Donc là, je pense que c'est chez toi, ça. Oui. Ça, c'est ton univers. Oui, effectivement. Là, bah, tu vois, c'était de la création. On est en train de faire de la création pour Noël. On fait aussi de la broderie. On a une magnifique machine derrière toi, Maud, la brodeuse. Ah, on pourrait la lancer. Et en fait, qui peut nous permettre vraiment de personnaliser toutes nos créations, mais aussi de venir proposer à des personnes qui veulent faire personnaliser des serviettes, des petits accessoires qu'ils ont eux-mêmes créés. Et bien, du coup, nous, on va venir broder avec notre super brodeuse. On a préparé un petit travail qui était en cours. Super. On pourra peut-être regarder. Une fois que ça sera terminé, alors ça fait un petit peu de bruit, mais c'était quand même pour lancer les choses, pour qu'on voit un petit peu ce que ça peut faire. Donc ça, c'est pareil, l'atelier c'est un atelier broderie. Non, alors là, on ne propose pas un atelier, c'est seulement du produit. Ah d'accord, ok. C'est une prestation, en fait, de vous proposer. On propose ça. Alors on s'en sert sur nos cours, sur des fois des ateliers, par exemple, cet exemple-là, c'est aussi... la tête des grands-mères, et du coup on réalisait soit en duo soit seul un petit pochon comme ceci, et on était venu le broder de super mamie. Voilà, génial, ça permet de personnaliser encore plus nos ateliers. Super. Et du coup on parle des mamies, moi ça me fait penser, on peut venir ici à partir de quel âge du coup? Alors il y a des ateliers qui sont proposés en duo où on peut venir petit, vers 6 ans, accompagné de son parent, de son grand-parent, de sa marraine, de n'importe qui est adulte, pour faire l'atelier à deux. Si la compétence technique et motrice, elle est compliquée à mettre en place, il y a quand même un adulte pour aider. Ok. Et sinon, en autonomie, ça dépend des ateliers. Et en général, sur le site, on note bien à partir de quel âge sont telle ou telle activité. Ok, voilà. Super. Donc ça, c'est pareil, retrouver sur votre site internet. Ouais, c'est toujours à noter. Est-ce que vous pouvez repréciser où on est au jeu? Ah, on est à Vindry-sur-Turdine, Pontcharrat. On est situé dans la rue Jean Moulin. On est à côté de la fleuriste de Crocus. Je pense que là, tout le monde repère bien. Voilà, le fleuriste Crocus. L'ancienne pharmacie. L'agence Campagne Immo juste en face. Vous ne pouvez pas les louper. Hein. La boutique, elle est magnifique. C'est sur la rue principale de Vindry. Voilà. Alors, on continue? Allez, on fait un petit tour. On a cet atelier-là qui... plaît beaucoup, c'est l'atelier macramé, donc ça c'est encore une autre technique d'art du fil. Donc là, on réalise cette jolie décoration murale, pareil en 1h30, 2h, avec soit en duo, par enfant, soit seul, pour 30 euros, et vous repartez avec votre belle déco. Voilà. Ok, génial. Donc ça, on apprend à faire tout ça avec vous ici. Exactement. Dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur. Ouais. Et avec un petit café, vous avez dit. C'est ça, oui. C'est ça. Pas les enfants, mais... Après, on peut te faire tester, Tony, un atelier d'initiation couture pour te faire voir. Couture. Oui, ok, d'accord, j'avais pas prévu. L'idée, c'est de faire voir que c'est vraiment accessible pour tout le monde, en fait. Ok. Je te laisse installer. Bon, alors on y va. Du coup... vous m'encouragez, hein. Mettez des pouces, des cœurs, des likes, et vous vous moquez pas, d'accord? Parce que mais moi, ils n'auront pas à se moquer, tu verras. Complètement. Alors, on y va. Donc là, tu vois, je t'ai préparé de quoi faire une petite lingette démaquillante, une petite lingette pour se laver le visage ou pour se laver les mains. Très et bien. Ça, c'est un atelier qu'on fait, donc on fait découper tous les tissus, bien entendu. Et là, en fait, je vais te faire coudre tout autour de la lingette. Pour après pouvoir la retourner et je te ferai voir le résultat. Ok. Je t'ai fait un petit point ici, un petit point ici, qui est le démarrage là et la fin ici. D'accord. Je vais t'installer tout et tu auras simplement à suivre mes indications. Ok, pas de problème. Allez. Petite question, justement, est-ce que vous retravaillez les matériaux recyclés, c'est-à-dire le tissu? Est-ce que vous retravaillez des tissus que vous avez déjà peut-être utilisés, qui étaient déjà usés, des choses comme ça? On fait un petit peu de récup, surtout sur le tissu, mais qui nous sert surtout pour lancer les élèves, les participants, pour éviter d'aller user du tissu acheté. On s'en sert aussi un peu pour du rembourrage. Pour des prototypes aussi, quand on démarre. Pour l'étude, tout ce qui est avant-projet, en fait. Donc, il y a quand même une démarche écologique, parce que là tu vas me faire une petite lingette. Du coup, c'est réutilisable. Ah, oui, oui. L'idée, c'est d'avoir un produit. Il y a toute cette démarche aussi. Ouais. Ok, génial. C'est parti? Voilà. Alors, dis-moi. Tu as une médaille dessous.
Ok. Voilà. Alors, elle est là. Elle est là. Et tu vas appuyer sur la pédale et tu vas voir, ton projet va avancer tout seul. C'est parti. Et je t'ai fait un point. Tu vas t'arrêter à peu près au niveau du point. Alors, attention. Hein. Et vous vous moquez pas, vous qui êtes derrière votre écran. Et là, tu lâches la pédale. Attends. Stop. Là, maintenant... Voilà. Et alors, je suis en plein dans le mille, parfait. En plus. Hein. Franchement. Là, on va juste faire tourner ton travail. Hop. Voilà, en levant le pied précédent. Donc là, il faut que je vienne jusqu'ici. Et là, tu vas faire la même chose en venant jusque là. Et là, je pense que si tu appuies à fond, tu n'iras pas plus vite. On voilà. T'a mis en mode tortue, tu vois. Ah, tu m'as mis en mode enfant. Ça, c'est génial. Mais même pas enfant, c'est débutant. Parce que quand tu commences quelque chose, tu es forcément comme un enfant. Donc là, normalement, il faut que je le tienne à peu près pour que ça reste voilà, droit. C'est ça l'idée. Hein. Le maintenir et voilà. Voilà. Il est concentré. Bon, ça va, dites-nous ce que vous en pensez, vous qui êtes derrière votre écran. Il regarde pas ce qu'il fait. Franchement, j'ai de belle. Je vais y laisser un doigt, à mon avis, avec mes bêtises. Là. On a Sandrine qui nous dit Marina est au top pour la couture. Merci Sandrine. Bah, voilà, regarde. Parfait. Ah, encore un petit peu. Voilà. Là, je suis en plein dans le milieu. Et là, normalement, hop, on relève encore. Et là, je fais ça et c'est reparti pour un tour. Et c'est reparti pour un tour. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Ouais, maintenant, ça va. C'est parti. Ouh là là. Mets pas tes mains. Allez. Regardez, mesdames, je vous fais une leçon de couture, là. Vous voyez, même les hommes, ils sont capables. Mais c'est ça, ah, c'est génial. Ce que vous voulez vraiment savoir. Et on a déjà eu des groupes d'hommes. Ils se sont éclatés. Ils ont adoré venir faire un projet pour leur femme. Pour la Saint-Valentin, nous avions organisé une activité pour un groupe d'amis. Et ils sont venus réaliser chacun leur petit pochon, comme le même Super Mami. Et ils ont passé un super moment. Ah, ils étaient ravis. Donc on peut faire des événements, c'est ça aussi. On organise des événements privés. On organise des anniversaires. Ça c'est génial, ça. Entre amis, en famille. Voilà. Et du coup, la dernière partie. Et là, tu t'arrêteras bien ici. Ok. C'est parti, vas-y. Bah, on a Sandrine qui t'encourage et qui te dit que tu as les bons gestes. Bravo, Tommy. Merci beaucoup. Et voilà. Je pense que je suis pas mal. Parfait. Tu peux tout arrêter. Voilà. Tu peux aller voir Marianne qui est juste derrière lui. Bon. Et moi, je vais terminer. Merci pour l'initiation, du coup. C'est plutôt sympa. Bon, j'espère que vous passez un bon moment. Avec nous ici dans cet atelier Effervescence Parenthèse Créative à Vindry avec Audrey, Marina, et là on va faire la connaissance, tu vas nous présenter. Oui, je vais vous présenter Marianne. Marianne. Alors, Marianne, bonjour. Bonjour. Marianne qui est notre intervenante de manière régulière donc, sur l'atelier, sur des projets couture de perfectionnement, c'est-à-dire que nous on propose des ateliers de débutants sur des accessoires. Marianne, elle est déjà plus à même de vous accompagner sur un développement de projets couture plus poussés. D'accord, ok. Qui touchent en général le vêtement. Ok, très bien. Donc, voilà. Là, on lance le prochain... C'était lundi soir. Ouais, on a commencé une session, c'est sur 4 séances de 2h30. Pendant les 4 séances, on va aboutir à un projet. Et après, il y aura une nouvelle séance avec un nouveau projet, de nouveau sur 4 séances de 2h30. Donc ça, le projet et le produit, c'est vous qui le décidez? Ou c'est à la demande des participants? Alors, pour cette année, on a voulu justement laisser la possibilité aux participants d'avoir une session où elles, parce que c'est surtout des femmes, mais ça pourrait être des hommes, donc où les participants font ce qu'ils veulent, mais sur les 3 autres sessions, j'amène le projet. D'accord. Comme ça, je leur apporte le patron. Les guide vraiment. Le premier projet, on est parti sur un suite. Moi, je vais faire le présentoir. Moi, je fais ça très bien. Voilà. Donc là, depuis lundi, on a commencé. Donc elles ont d'abord choisi leur... elles ont fait leur choix esthétique. Est-ce qu'elles voulaient une capuche? Est-ce qu'elles voulaient une poche plaquée? Enfin, on peut vraiment adapter le modèle. Ensuite, elles ont démarré la première partie qui est de déchiffrer le patron, recopier le patron. Et puis, à partir de la semaine prochaine, elles apportent le tissu et on commence, on y va. Et elles ont encore 3 sessions pour terminer leur suite. Et à la fin, elles repartent avec le suite terminé, le patron pour pouvoir le recommencer chez elles. Un petit mode d'emploi que je leur fournis assez détaillé pour qu'elles ne soient pas perdues pour recommencer.
Et puis voilà, elles en font tant qu'elles veulent, pour toute la famille. Je crois qu'il y en a une déjà, sa fille lui en a commandé. Enfin, l'idée, c'est de faire son vêtement, mais surtout d'apprendre des techniques. Oui, tout à fait. Et le prochain projet, là, on part sur une blouse. Donc, voilà, encore un vêtement en fonction du tissu qu'on va choisir. Ça peut donner des choses très différentes. Donc, soit assez habillé ou au contraire décontracté. Voilà, et l'idée, c'est à chaque fois de voir des petites techniques de couture un peu différentes. Donc là, on va apprendre la technique de la fronce, la pose du biais, comment monter une manche. Sur le sweat, voilà, il y a la petite poche passepoilée qui n'est pas forcément évidente. Voilà, comme disait Marina, avec un tuto, ça a ses limites. Donc, quand on veut voir des techniques un peu plus poussées, c'est bien d'avoir une explication humaine. Oui, bien sûr. Donc voilà, et le troisième projet, ce sera un pantalon large. Et le dernier projet de l'année, voilà, justement, chaque personne viendra avec ses propres envies. Et moi, j'essaierai de les accompagner au mieux pour développer ces envies-là. Et par contre, si elles ont envie de refaire un projet qu'on a fait dans l'année, ça peut aussi être l'occasion à ce moment-là de repartir sur un projet. Alors super, voilà. Juste pour résumer, que ça soit bien clair pour les gens qui nous regardent, s'ils veulent participer à cet atelier, comment ça se passe? Alors, pareil, sur notre site internet, sur le planning, on voit apparaître toutes les sessions qui sont programmées pour l'année avec le détail du projet réalisé, le nombre d'heures, le tarif. Alors, soit on nous appelle et on passe ici, avec grand plaisir, on vous reçoit pour vous expliquer tout ça en détail. Sinon, vous pouvez faire votre réservation directement en ligne. Parfait. Voilà. Il y a une question. Vas-y. On a Lucie qui demande si vous organisez des activités anniversaires pour les enfants. Absolument. On en a un samedi. Voilà, le prochain samedi, par exemple. Alors, on peut pas trop peut-être dévoiler ce qu'on va réaliser parce que c'est une surprise pour les participantes. Mais oui, on organise en fait tous les ateliers qu'on propose ici peuvent être faits de façon privatisée. C'est ce que je donnais l'exemple tout à l'heure pour les hommes, mais on peut le faire aussi pour les enfants, pour les adultes, dans le cadre d'événements quelconques comme les anniversaires. Et l'anniversaire en particulier, on offre tout l'espace, c'est-à-dire qu'on propose dans la formule pour anniversaire 1h30, 2h d'activité. Et ensuite, on laisse l'espace complètement aux enfants pour faire le gâteau, les cadeaux. Il n'y a pas besoin de repartir à la maison. Ah, mais on fait même la pâtisserie chez vous. Alors, par contre, on ne fournit pas le gâteau pour des raisons d'hygiène, de HACCP, tout ça. On n'a pas le droit. Donc, les parents, par contre, peuvent amener un gâteau, les boissons. On a découvert, on a ce qu'il faut pour faire à la fête. Génial. Mais voilà, l'idée, c'est d'en profiter jusqu'au bout. Voilà. Ouais, c'est un anniversaire original, quoi. Ça sort un petit peu du truc habituel de la fête dans le jardin. Et là, voilà, on va faire un petit truc créatif, sympa, avec ses copains et ses copines. L'hiver, le jardin, c'est déjà un peu plus compliqué. Oui, donc c'est mal d'avoir un lieu comme celui-ci. Tout ce qu'on a fait l'année dernière, pourtant, on a eu comme des mois où on n'a pas beaucoup travaillé. Ils étaient ravis. Super expérience pour les enfants. Bon, alors, vous avez compris, hein, fini les tutos YouTube, tout ça. Hein, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez apprendre, c'est là, ici, à Vimbry, chez Effervescence. Merci du coup Marianne pour ces explications. Donc j'espère qu'ils seront nombreux à participer à ces ateliers. Et comme vous l'avez vu, hein, ça sera pour fabriquer des vêtements en fait. Et aussi un truc super important, c'est que c'est du temps qu'on prend pour soi quand on vient à ces ateliers et on en a bien besoin en ce moment. Donc, ça permet de décompresser et de vider la tête. Un endroit agréable et chaleureux. Voilà. Bon, on n'a pas vu ta partie dessin un petit peu. Tu nous fais voir? Allez. Bah oui. Ok, d'accord. Du coup, maintenant, je vais parler. Bah écoute, Alors, dis-moi tout. Et bah, tu vois, il te faut une feuille, un pinceau, de l'eau. Ouais. Un chiffon et une palette d'aquarelle. Très bien, parfait. Voilà, t'as déjà peint? Ouais, bien sûr. Voilà. C'était alors, du coup, le thème. Le thème, tu vas faire. Oh, tu sais, je t'ai déjà tracé des petites bulles, mais ça, je le fais à personne, hein, c'est de la chance. Ah, c'est sympa, du coup. Tu vas juste me remplir les petites bulles avec de l'eau. Voilà. Que de l'eau. Que de l'eau pour l'instant. Ok. Donc, tu mets ton eau comme ça à l'intérieur de tes bulles. Un peu, pas beaucoup. Ah, il faut tout remplir, il faut que ça brille. Il faut que. Ah, d'accord, ok. C'est vraiment que de l'eau, ça. Il n'y a que de l'eau. Bah, il est un peu sale, puisque mon pot n'était pas très propre. Mais... Bah, voilà. C'est pas grave, ça. Donc là, en fait, on a assez. Parce que tu vois, ça brille beaucoup là. Ok, tu vois, ça marche.
Donc tu peux maintenant aller choisir une couleur, mais il faut que tu mouilles quand même ton godet. Ça, c'est des godets de peinture. D'accord. Donc je ramène un petit peu d'eau. Tu amènes un petit peu d'eau, mais tu fais en sorte que ça brille sur la surface. C'est-à-dire un petit peu comme ça. Là, on voit bien. Encore suffisant. Un petit peu plus. En plus, tu as pris le bleu qui... Mais c'est pas grave. C'est le bleu le moins puissant de la palette. Ah, moi, je suis bleu, moi. Je suis désolé. Voilà, hop. Et tu vas venir juste déposer de la peinture sans vouloir peindre. Sans vouloir peindre. Voilà. Ok, génial. C'est chouette. Regardez-moi ça. Là, j'adore. Et là, tu peux changer de couleur. Voilà. Et tu vas voir qu'en changeant de couleur, elles vont fusionner entre elles. Bah là, tu rinces. T'essuies dans ton chiffon. J'ai jamais fait l'aquarelle. Hein. Moi, j'ai fait de la peinture à l'eau. C'est quand même une peinture à l'eau. Oui, mais ce que je veux dire, elle est très transparente. Et la peinture très classique. Et oui, les petits godets de gouache. Exactement. Je vois bien. Exactement. Bon, ça va, j'espère que vous passez un bon moment. Moi, c'est cool, hein, je fais votre peinture, moi je m'éclate, du coup, je vais rester là cet après-midi. Pour mon patron, voilà, moi je suis là cet après-midi, du coup, je reste là. Hein. Hop. Et ben voilà, et du coup. Et là, tu fais pareil. Alors, pareil, tu proposes des ateliers comme ça de peinture, de dessin. Alors, d'initiation aquarelle, alors là, toi, tu vas quasiment. Là, tu arrives à la fin de l'initiation, parce qu'une initiation aquarelle, je t'apprends. Quel papier il faut que tu prennes, quel type de peinture, quel pinceau, pourquoi un pinceau comme ça, c'est pas le même que celui-ci. Et après, on expérimente beaucoup. Donc, je vous donne des grandes feuilles de papier, vous expérimentez toutes les couleurs de la palette avec de l'eau, pas beaucoup d'eau. En fait, voilà, mon intérêt à moi, c'est de faire découvrir la technique et la peinture et se détacher d'un résultat final de « on va peindre un bouquet de fleurs ». Okay. En initiation de peinture, c'est pas du tout mon but. Le bouquet de fleurs, on peut le faire. Si on vient tous les mardis soirs en cours de peinture, en fin d'année, oui, on aura assez travaillé le dessin, les perspectives, les contrastes, les couleurs pour arriver à faire quelque chose. Mais là, en initiation, non. Donc, on va apprendre de la peinture, du dessin avec crayon, fusain, des choses comme ça. En fait, moi, mes cours, je les oriente pas du tout comme des cours de couture où on a un produit fini, établi à l'avance. Moi j'accompagne les gens sur leur propre technique s'ils l'ont déjà visité, c'est-à-dire que si on a déjà peint à l'huile pendant 8 ans et qu'on a envie de continuer, eh ben, il n'y a pas de souci. Moi je vais accompagner les personnes sur la technique qu'ils ont éprouvée depuis longtemps. On peut être complètement débutant et pas avoir tenu un crayon depuis le CM2, pas de problème, on va reprendre du début, tout est possible en fait. Moi j'accompagne là où vous en êtes avec la technique que vous aimez. Je demande souvent à mes élèves qu'ils apportent même le modèle qu'ils veulent refaire. D'accord, ok. Voilà, parce que je pars du principe que si on apporte quelque chose qu'on a envie de réaliser, moi je ne l'impose pas. J'ai une cliente qui va me dire, moi j'ai envie de faire ce modèle-là de femme avec des fleurs. Mmh. Et elle aura plus envie de s'investir sur le résultat que si je lui dis, il y a 3 pommes et une poire. Bon. Voilà. Okay. Génial. Donc du coup, pareil, si on veut faire du dessin, c'est sur le site internet que ça se passe. Il y a des ateliers, on s'inscrit. Alors les ateliers en dessin, c'est surtout des initiations aquarelles. Et sinon, c'est des cours réguliers où on vient toutes les semaines. Et là, j'ai encore des places. Enfants, adultes. Bon, alors allez-y, précipitez-vous sur le site internet. Je vais y arriver pour vous inscrire et participer à ces cours de dessin. Marina, viens avec nous. Viens t'asseoir à côté de nous. Oui, on peut s'asseoir. Avant de se quitter, il y a encore une petite chose qu'on n'a pas parlé ici. Parce que là, vous voyez, on est sur une grande table. C'est génial, c'est super beau. Je ne sais pas si Maud peut nous montrer tout ça. C'est super sympa et c'est hyper convivial. Et du coup, ici aussi, vous proposez un espace de coworking. Oui. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus comment on fait pour profiter de cet espace et venir travailler ici dans cette bonne ambiance? Alors ça, c'est pas réservable en ligne sur le site internet, tout simplement parce qu'on est quand même un atelier créatif partagé. Et ça, il faut nous appeler, prendre contact avec nous pour connaître les horaires qui sont disponibles, l'activité qui est pratiquée, parce que nous, on aime bien être corrélé à la personne qui vient. Si elle veut faire du phoning toute la journée, nous, on continue de coudre, on continue de peindre. On a des gens qui ne vont pas pouvoir être tranquilles dans un espace clos, dans sa bulle. Donc, du coup, on prévient bien les gens et on a à cœur qu'ils viennent nous voir pour qu'ils constatent qu'en fait, l'espace de travail, il est de travail, de toutes sortes de travail. Donc, on peut venir coworker avec son ordinateur portable si c'est pour faire du mail et du réseautage et juste être en lien et sortir de chez soi parce que c'est des fois compliqué de rester à la maison. Ça, c'est tout à fait possible. On peut aussi venir coworker si on s'est déjà
coudre par exemple, mais qu'on n'a pas envie de tout sortir à la maison, on fait du coworking créatif. Ok. Et on vient utiliser tout le matériel. Tout le matériel à disposition. Ouais. Ah bah c'est génial. On n'a pas d'engagement sur ce type de formule. Ouais. C'est vraiment à la carte, quand on veut. Il n'y a pas de. Voilà. Donc ça, c'est important de, voilà. Important de le dire. C'est super. Voilà. Bon, je vous laisse un petit peu encore juste le mot de la fin pour nous rappeler le site, l'adresse, les réseaux, comment on vous retrouve. Voilà. Oui. Le site frv-essence.fr. Ouais. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, c'est effervescence-atelier. Sur Facebook, c'est Audrey Marina Effervescence. Ou alors, il y a la page Effervescence, on en a deux. Sur LinkedIn, pour les pros, si ça vous intéresse, on a aussi des prestations d'ateliers créatifs proposés aux professionnels. Sur site ou ici sur place, en location d'espace, enfin, il y a plein de possibilités aussi. Donc, n'hésitez pas à prendre contact. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, c'est sûr qu'il y a plein de choses à voir, plein de choses à découvrir ici. Et du coup, je vous invite tout simplement à passer la porte là quand vous passez à Vindry. Venez voir Audrey et Marina. Je vous remercie pour votre accueil. On a passé un chouette moment. Merci à vous. Alors, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live dans les commerces. Mais nous, on vous a réservé un petit truc avec Maud. Alors, vous connaissez forcément la carte cadeau à tout commerce. Oui, évidemment. Évidemment, parce qu'ici aussi, on peut dépenser son titre cadeau à tout commerce. On peut aussi passer la carte de fidélité. Oui. Mais la semaine prochaine, voilà, on vous parlera de la carte cadeau. Et oui, c'est bientôt les fêtes. Si vous ne savez pas quoi acheter, eh bien, on se fera un petit direct live. Comme ça, on répondra à toutes vos questions. Voilà, ça va être plutôt sympa. Et la prochaine vidéo live, ce sera le 8 octobre. On ira du côté d'Amplepuis. Et on ira chez notre chausseur Jusselm Chaussures, voilà, qui va nous accueillir et puis qui va nous montrer un peu son métier et toute la gamme de chaussures qu'elle propose. Je vous remercie, n'oubliez pas encore, allez-y, cliquez tout en bas, le partagez, on like, on y va, on en parle à ses amis et on vient passer un bon moment ici chez Effervescence, parenthèse créative. À très bientôt, bye bye. Bye bye. Bye bye.